vous attendez autre chose que de l'image ou c'est juste voilà pour développer un petit peu la renommée, la réputation de Siemens? Alors bien sûr, l'image est importante, évidemment, mais c'est plus profond que ça. Je pense que notre engagement, c'est un engagement durable aujourd'hui qu'on souhaite avoir et avec ce partenariat avec le HAC. Clairement, on est là pour construire une usine, on s'inscrit dans la durée. Et on veut vraiment s'appuyer sur le HAC pour, d'une part, partager les mêmes valeurs que le HAC, mais aussi faire ensemble des actions au profit de l'emploi. Vous savez qu'on va créer 750 emplois sur le Havre, direct et indirect. Et donc ce partenariat pour nous, il est vraiment stratégique. Donc pour nous, c'est vraiment plus que de l'image. C'est s'intégrer dans le paysage havrais, faire que ce projet industriel soit une réussite, tout en intégrant aussi les Havrais dans ce projet. En termes économiques et encore une fois en termes d'image, le Havre est donc devenu une place forte pour Siemens, une plaque tournante. Bah écoutez, c'est clairement un investissement stratégique pour le groupe Siemens Gamesa. Et je dois vous dire aussi que ce projet, c'est le projet le plus important historiquement pour l'industrie des énergies renouvelables en France. Il n'y a jamais eu un tel projet industriel en France. Donc à la fois pour la France, c'est important, pour le groupe Siemens Gamesa également. C'est vraiment un investissement très important et stratégique. Oui. En interne, le projet de devenir partenaire du Hack Football a tout de suite reçu l'unanimité. Oui, clairement, parce que le HAC, c'est un élément essentiel du patrimoine du Havre, de l'identité du Havre. Nous, on recherchait par ce partenariat d'avoir vraiment, d'adresser, de s'adresser au plus grand nombre sur le Havre et le bassin havrais. Et le HAC nous a vraiment apparu comme étant la meilleure instance association club pour cette association, très très clairement, oui. Quelles sont les valeurs en commun que vous partagez avec le HAC? La passion de la formation, on voit tous ces grands joueurs de l'équipe de France qui sont passés par le HAC, notamment la solidarité, des valeurs d'équipe, en fait de travailler en équipe, ça c'est très important aussi pour nous. Donc ça c'est des valeurs très très fortes et s'inscrire dans la durée. Nous on veut s'inscrire dans la durée. Je vous ai dit en 2022, 105 ans d'existence, Vincent, super. Nous on aimerait aussi que notre usine elle soit là pour 150 ans. Enfin je veux dire c'est un rêve quoi, clairement. Ouais. Vous avez parlé de l'équipe féminine, qu'elle avait un rôle important dans votre choix. Quel impact ça a eu? Alors en fait, très clairement, nous on souhaite intégrer les femmes dans notre industrie. C'est un point vraiment important pour nous. Pour vous donner un élément de comparaison, dans nos usines de pales en Europe, on a près de la moitié de nos effectifs dans les usines qui sont des femmes. On souhaite faire la même chose en France, très clairement. Donc c'est une ambition. Et on veut faire pareil. Et donc le HAC nous apparaissait par le fait du rayonnement de son club de foot féminin comme le bon partenaire justement pour développer des actions avec le HAC en faveur de l'emploi des femmes et de l'intégration des femmes dans notre industrie. Pour Gamesa, est-ce qu'il y a d'autres partenariats en Ligue 1, Ligue 2 ou sur d'autres sports où le HAC va vraiment être votre partenaire sport? En France, c'est le seul partenaire, clairement. Et pour nous, on voulait vraiment que ce soit le HAC. Parce qu'on construit cette usine ici, on veut vraiment s'inscrire dans la durée et dans ce projet industriel pour en faire une réussite.